Et donc, re tout le monde, nous sommes de retour au lac crépusculaire. Et donc, cette fois-ci, dans cette troisième partie, on va s'attaquer au niveau de Sparksouille. Hop, qui est là-haut. Je sais pas si je peux sauter, oui, si je peux sauter. La princesse Amy m'a montré un endroit qui s'appelle le rivage des étoiles de mer. Selon elle, il y a un œuf caché là-bas. Je pense que Sparks devrait y jeter un coup d'œil. Et on prend donc le contrôle de Sparks et on est dans un niveau sous l'eau. Niveau plutôt chiant, je crois, hein, à cause de cette foutue étoile de mer. Qui ressemble plus à des shurikens qu'à autre chose d'ailleurs. Enfin, que voulez-vous? Est-ce qu'on peut aller par là-bas? Absolument pas. Donc on va essayer de se frayer un chemin dans ce niveau. Dont j'ai pas trop de souvenirs. Hein. D'ailleurs, les niveaux de Sparks, en général, j'en ai aucun souvenir, ou presque. Parce qu'ils sont plutôt chiants. Alors si je dis pas de bêtises, c'est un genre de niveau à étapes. C'est-à-dire que... on va devoir affronter des vagues d'ennemis. Alors par contre j'aimerais beaucoup, voilà, faire comme ça. On va devoir donc affronter des vagues d'ennemis pour nous permettre d'accéder aux salles d'après. Ok, donc là il y en a des plus grosses qui se décomposent en plus petites. C'est une mauvaise nouvelle, mais enfin écoutez, on va faire avec hein. Allez, on va passer par en haut. Je sais pas si c'est par là ou pas. Allons, on utilise un peu nos pouvoirs. Hein. C'est bon. Hop, on prend les joyaux. Ouais, bah écoutez, ça m'a pas l'air compliqué en fait. Hein. Enfin, je dis ça, mais je vais sûrement le regretter après. Genre là. Ok, donc eux, ils crachent des boules de feu. C'est bon à savoir. J'ai une meilleure portée qu'eux, donc je peux les buter sans risque. Ok. Alors ici, il y a un shuriken. Ça fait beaucoup plus shuriken qu'étoile de mer, hein, quand même, ces trucs. Hop. Shuriken, c'est cool. Hein. Ça fait très ninja ninja. Ok, donc lui, je le chlasse. Allez, chlasse. Oh putain. Alors là, il y a des mecs partout. Mais au final, la charge, elle nous sert vraiment à rien dans les combats. Contrairement à ce qu'on nous disait dans le tuto, comme quoi ça servait à rattraper certains ennemis. Finalement, on s'en est servi que dans le tuto, quasiment. Que dans le tuto et dans le premier niveau. Comme quoi, hein, publicité mensongère, ça ne sert à rien. Hop, deux petits joyaux. D'ailleurs, Spark, c'est dans une bulle, vous l'aurez certainement remarqué. C'est sympa. Montrer qu'on est sous l'eau. Ok, donc là ça relag, génial. Hop là, esquive. Et donc là je me suis un peu foutu dans la merde. J'aimerais, voilà, prendre cette position, merde. Merde, merde, merde. Là, là par contre je suis dans la merde. Tiens, meurs. Voilà, c'est bon, j'ai survécu. J'aimerais beaucoup... j'aimerais beaucoup avoir un papillon de vie. Ok, c'est pas toi le papillon de vie. T'as pas un dans le coin là, de papillon de vie Oh là 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 là, ça c'est dégueulasse, je me suis pris 30 000 dégâts d'un coup. Hop, hop. Allez. C'est bon, j'ai survécu. Ok, 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 merde. C'est pas ok. Je reprends où là? Ah bah ça va, ils sont gentils! On reprend à la salle où on était. Bah je crois. Ah non, la salle juste avant. Okay. Je sais pas comment sont gérés les checkpoints. Donc on reprend ici. Enfin, mine de rien, faut pas trop que je me réjouisse, hein, puisque dans cette salle que je me suis fait défoncer et j'avais toute ma vie. Hop, on chlasse les étoiles.
un peu plus près des étoiles, aux ardents de lumière et d'argent. T'as vu, tu vas vite, toi, petite étoile. Oula. Ouais, il y a beaucoup d'étoiles. C'est pas trop cool, ça. Voilà, on passe au distributeur. T'as vu, il y en a combien, des grosses étoiles? Zéro, maintenant. Ok, alors ça, c'était Fourbas. Ah, parce que maintenant, il y a des distributeurs d'anguilles et tout. Ok. Genre, les distributeurs d'étoiles, ça suffit pas. Voilà. Bon, allons vers le haut. Tac, tac, tac. Alors, je sais pas en quoi consiste ce pouvoir que j'ai obtenu là. Ok, c'est une bombe. Ok, il y avait sûrement un distributeur que j'ai défoncé. Bah, dis donc, il est pas facile ce niveau. Ça m'avait l'air facile tout à l'heure, mais là, ça a beaucoup moins l'air facile. Parce que les vagues d'ennemis sont assez conséquentes maintenant. Encore au début, il n'y avait pas beaucoup d'ennemis. Autant là, c'est Armageddon. C'est bon, tu meurs. D'accord. Pas de distributeur, tant mieux. J'appelle ça des distributeurs, hein, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Tac, tac, tac. On peut appeler ça des poppers aussi, je pense. Voilà. Ok, alors. Là, ça va être très très compliqué. Voilà, ça c'est fait. Un problème en moins. Et sûrement un distributeur d'anguilles aussi, là. Bon, tu prends ton... Voilà. J'espère que ça avait pas l'air très décidé à prendre le joyau. Ok, donc là, il y a encore un distributeur. Donc on chlasse, hein. Sans aucun schlouci. Chlasso dofi. Hakuna machlassa. Voilà. Nouvelle salle. Oh putain. Ok, ça commence excessivement bien. Je rentre à peine que je me fais déjà agresser. C'est pas le boss là? Non, pas encore. Et donc déjà... Oh putain. Ok, ça recommence. J'ai beaucoup moins de problèmes avec les niveaux de Sparks quand même. 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, go. Voilà. Donc, chlassons déjà les deux anguilles. Non, en fait, on va d'abord pouvoir chasser le distrib. C'est bon, il est KO. Eh ben, oh putain. Alors là, ils sont beaucoup. Tac. J'ai l'impression que les étoiles qui viennent de grosses étoiles divisées sont plus rapides que les autres. Enfin, c'est peut-être qu'une impression, hein, vous me direz, mais enfin. Oh non, hein. Putain, ça va pas recommencer là. Bon, c'est reparti. Start, j'ai dit. Bon, pas start. Si. Ah bah non, pas besoin de couper en fait. Tant mieux. Donc je vais pas prendre le papillon tout de suite. Ok, là il y a un checkpoint, ça veut dire qu'il y a un boss. Surtout dans une grande salle comme ça. Ouais, en effet il y a un boss. C'est une raie qui balance des bombes, ok. Normal. Non mais allez là. Putain, c'est quoi cet ennemi? C'est quoi cet ennemi overcheaté, putain? Il te fonce dans la gueule, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je me prends trois coups à la fois, quoi. C'est quoi ce bordel? J'ai autant de vie que lui en a perdu. Normal. Où il est là. Enfin, plus c'est loin, mieux c'est. Ok. Wow. Putain, je suis mort. Et j'ai plus de pouvoir. Fuck.
Meurs, motherfucker. Donnez-moi un foutu pouvoir, s'il vous plaît. Ah, ah. Il est où? Ah, il est là. Hop, j'esquive. On peut pas tirer et foncer en même temps, ce qui est assez dommage. Non. Piu piu piu, je tire dans toutes les directions. Aïe. Putain, mais c'est chaud quoi, ce truc a tellement de vie. Non, ça c'est dégueulasse. Il me tire à bout portant quoi. Enfin, le plus dégueulasse en fait, c'est que nous, à bout portant, on lui fait rien, mais lui, quand il nous touche, on se prend des gros dégâts. Putain, mais c'est quoi ces bombes là? Je perds des vies ou pas quand je meurs? Je sais pas. Je sais pas si on perd des vies dans ces missions là. Ok. Génial. Mais cassez-vous! Casse-toi! Putain, mais fils de ta mère! Allez, hop. Oh là là. Allez, meurs, espèce de raie du cul. Yeah. Non, 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 non. Et tu vas arrêter de me foncer dedans, salope. Putain, mais... Non, on perd pas de vie, ok, tant mieux. J'étais à 53 tout à l'heure, j'y suis toujours. Oh non, mais là, à peine ça commence, je me fais déjà toucher, quoi. C'est quoi ce bordel? Je veux un pouvoir! Pourquoi tous les... Ça, c'est dégueulasse, putain! Il me fout deux dégâts, même pas une seconde, quoi. Allez, meurs, meurs, meurs! Non, ça... Mais putain, mais c'est quoi cette portée de malade, les bombes? Mais genre, la bombe, elle explose, je suis à 50 km, je me fais toucher. Putain, c'est quoi cette merde? Oh, bordel de cul! Crève, espèce de raie! C'est pas parce que t'as des yeux rouges que tu dois faire la maligne. Il dit, je vais me foutre là. Je vais lui tirer dessus. J'ai juste bougé de temps en temps. Putain, mais il va pas commencer non plus, lui. Ah non, c'est bon. Ça ralentit 3 secondes. Ok, ça c'est n'importe quoi. Ça marche pas du tout, en fait, de se foutre dans un coin. Ça marche peut-être dans Call of Duty, hein, mais là ça marche pas. Casse-toi. Là, casse-toi, putain! Ah là 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 là! C'est quoi ce boss de ouf? Comment je suis mort là? Comment je suis mort, sérieux? J'ai aucune raison d'être mort! Oh, allez, bah oui, bien sûr, là il m'a touché, mais fils de pute! Ta mère la raie! Voilà, ça c'est de l'insulte! Insultez vos potes comme ça maintenant! Fils de raie, traitez-les de fils de raie! J'ai l'impression que ce boss n'essaie plus de m'attaquer. Alors en fait, il faut essayer de le suivre, j'ai l'impression, pour pouvoir le toucher. Non, bah non, bah non, ça marche pas en fait. Ah, quoi? Deux? Mais t'es sérieux là? Deux? Heureusement qu'il balance plus de bombes, parce que putain. Bon, ça m'a l'air d'être beaucoup plus facile la deuxième phase.
contre, ce qui est chiant, c'est que buter les petits traits ne lui fait pas de dégâts. Ok. Bon, allez. On est presque. Moi, j'ai plus que 2 points de vie. Allez, meurs. Ok. Une de moins. Est-ce que là, je peux y arriver? Voilà. Anna Shawn. Putain, c'est quoi ce nom de merde? Ah, putain, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir réussi ce boss à la con. Ah là là là. La deuxième phase est clairement plus facile. Et donc niveau terminé, tant mieux. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Non en fait. Qu'est-ce que je raconte? Non, il y a rien qui se passe après. Oh quoique. Quand j'ai vu cette raie géante, j'ai cru que t'étais fichu Sparks. Mais tu lui as fait voir du pays. La magie de l'œuf t'a rendu encore plus fort. Tu peux encore enquêter. Tu peux tout prendre. Ok, ça a bien bugué sur la fin. Excusez-moi, j'ai bu un petit coup. Ça recommence à bugger. Donc on va couper là et on se retrouve dans une quatrième partie puisqu'on va terminer les vaisseaux perdus puisqu'il y avait le passage de skate qu'on n'avait pas pu faire. Donc je vous dis à tout de suite.